Comment ta famille vit le fait que tu joues pour la Guinée? Est-ce que tu sens qu'autour de toi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans ta vie de représenter la Guinée? Ça m'a énormément apporté, et en plus, je réalisais pas en fait le fait d'être international. Mais quand je suis passé international et que mes potes m'ont vu à la CAN, j'ai reçu énormément de messages et je me dis encore une fois, ah ouais, quand même, hein, c'est pas rien. En fait, être international, c'est vraiment quelque chose parce que quand tu joues à Paris, au Paris FC, dans la rue, on ne calcule pas. Mais il y a une semaine, je suis allé chez le podologue, je croise un chauffeur-livreur. Oh, le Sili! On fait une photo! Tu vois, t'es affilié à quelque chose, tu vois, c'est vraiment ton sang qui ressort, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Et jouer pour son pays, c'est vraiment.